Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing d'une nouvelle boutique qui m'a contacté pour un partenariat et pour que je présente, que je choisisse les toiles qui me faisaient plaisir et que je vous présente leurs produits lors d'un unboxing. Donc il s'agit de la boutique Craft Art Club. Voilà, c'est une nouvelle boutique de diamond painting, mais pas que. Puisque ils font des DP personnalisés, ils ont du bricolage diamond painting, tout ce qui est pochette, marque-page, carnet, sac, etc. La peinture par numéro, tout ce qui est pour les rangements des diamants, tout ce qui est stylet, voilà, mallette de rangement aussi. J'appelle ça l'outillage diamond painting. Des peintures par numéro et vous pouvez envoyer une photo qui vous est personnelle pour la faire en diamond painting personnalisé. Voilà, il y a une grosse promo en ce moment, 3 toiles achetées ou 3 articles mis dans votre panier, le quatrième est offert. La livraison est gratuite à partir de 49 €, donc ça va encore. Et les frais de douane, tout ça, tout ce que vous avez à payer, je ne crois pas qu'il y ait de frais de douane. Les frais de douane sont à payer au moment de la commande. On ne vous demandera rien plus tard, ultérieurement, quand vous recevez votre commande. Voilà, donc ça m'a été livré au bout de 15 jours. Voilà, dans un petit sachet comme ça. J'ai un DP et 2 articles de bricolage diamond painting, comme on les appelle. J'ai juste éteint ma souris avant de faire une bêtise. Alors, on va commencer par celui-ci, une mignonnerie. Une mignonnerie. Alors, ce sont les bacs de rangement. Vous savez qu'il y en a des gros, des petits, des carrés. Et là, ils en font des petits nouveaux. J'en ai pris un pour Irina avec une licorne. Et j'ai trouvé ceux-là avec les petits koalas trop mignons. Alors, pour ranger des petits bijoux, tout ce qui est, par exemple, brosse à cheveux, élastique, pince et tout. Petits jouets de Barbie, plein de choses. Donc, l'autre que j'avais reçu d'un précédent partenariat, une abonnée m'avait dit, ils ont oublié de te mettre le socle, le support de dessous. Et c'est vrai, puisque là, c'est la même taille et je l'ai. Donc, c'est super. Voilà la jolie boîte. On peut mettre plein de choses. Alors, c'est très profond. Hein. Donc, il fait 16 cm de profondeur. Hein. Une vingtaine de centimètres de longueur. Voilà. Alors, on a le petit kit, évidemment, basique, avec la colle, la wax, j'essaie de ranger, voilà. Voilà. Le petit support et le petit stylet rose, tout simple, mais qui va bien. Côté diamant, pour faire nos jolis petits koalas qui sont vraiment super mignons. Alors évidemment, comme toujours, il y a plein, excusez-moi du bruit, de modèles différents. On est bien d'accord. Alors, les diamants, on a des beaux diamants. Voilà, je vous dis pas les couleurs, vous les voyez comme je les vois. On a des jolis cœurs roses, des petites gouttes d'eau rouge et des petites perles couleur or. Waouh! Ils vont être trop mignons et ils vont beaucoup plaire à ma petite poupée. Pour mettre sa brosse en diamond painting. Ou alors vous mettez vos affaires de DP, enfin des petites boîtes comme ça, ou des petites des clés, la petite boîte à bordel, j'appelle ça, c'est comme ça, la petite boîte à bazar qu'on a sur le meuble à l'entrée, où on met les clés, les paquets de mouchoirs, les vieux tickets de caisse, c'est un peu dommage, mais voilà, je vous donne des idées, hein. Après vous faites ce que vous voulez, si vous achetez cette jolie boîte. Pour des cadeaux de Noël aussi, super idée. Alors, voici donc mes petits koalas. Hop. Ensuite, ça doit être un diamond painting, je ne sais pas.
Je découvre en même temps que vous. Alors, par contre, je vais reculer. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est que derrière ma tablette, j'ai tout DDP comme ça, qui sont sur ma liste à faire. Et chaque fois que je fais des unboxings, je les mets parce que je pense que c'est ceux-là que je vais faire tout de suite. Et il y en a d'autres qui passent par devant. Et puis voilà. Et c'est pour ça que ma tablette, elle s'approche de plus en plus. Ah! Alors, je vous avais dit que vous alliez les revoir parce que j'avais un cadeau à faire pour ma tata qui est fan de Diamond Painting. Et je m'étais commandé ces fameux bonhommes de neige. Du coup, je lui ai offert le joli DP des bonhommes de neige et je me le suis recommandé. Donc, je l'ai commandé pour moi et je l'ai également commandé pour vous. Voilà, je voulais vous offrir ce DP-là. Regardez comme il est joli. Waouh! Franchement, j'adore. Waouh! Trop mimi! Oh, ils sont trop mignons. Ils me plaisent trop. Alors, cette toile, c'est une grande toile. Hein. Elle fait 50 sur 30. Alors, l'image. On est sur du 45, évidemment, sur du 25. C'est déjà une très, très belle image. Elle est très, très jolie. J'adore. Franchement, j'adore. Waouh, les symboles sont très très nets. Il a 24 couleurs. On a tout, bah évidemment, du blanc, du rose, du rouge, du gris. Franchement, il est vraiment très très beau. Waouh, j'adore. Je les trouve trop mignons. Et il me fallait absolument cette toile parce que je veux la faire pour le défi de Noël. Voilà. On a le petit kit, tout simple, qui va bien. Voici la jolie toile des bonhommes de neige. Alors, est-ce qu'elle va être docile et rentrer? Bon emballage. J'aime bien les remettre au fur et à mesure parce qu'après il suffit que j'ai 5-6 toiles, c'est le bazar. Je préfère les rentrer quand elles sont décidées au fur et à mesure. Mais celle-là, elle n'y est pas du tout. Bon. De juice. Passer ses fers. Bon, pas la peine, je le ferai plus tard. Garde ton calme, je dis que tu ne vas pas dire de gros mots en vidéo quand même. Non mais oh, pas cesser faire par 5 gugus là. Voilà. Alors, je vais marquer que c'est des bonhommes de neige. Hop là. Rappelez-vous de cette toile. Et le hop, troisième article que j'ai choisi pour ma petite Minette, ma petite fille. C'est une boîte à bijoux. Alors, j'en ai jamais fait des comme ça. Waouh! Alors, la boîte, nickel. Superbe boîte. Alors, ça peut être pour vous, hein, ça peut être pour vos petites filles, vos enfants, voilà. Alors, on va la voir en vrai, ça sera beaucoup mieux. Waouh! Elle est toute en velours. Waouh, franchement. Oh, elle pète. Hein. Oh là là! Elle est magnifique. Alors, ça, c'est pareil, un cadeau de Noël. On va regarder.
Et tout en velours. Oh, c'est dommage qu'on ne pouvait pas toucher. Elle est, oh, elle est sublime. Oh, moi, je suis agréablement surprise. J'ai pris un toucan. Waouh! Oh, les finitions. Le beau fermoir. Waouh! Wow, elle est vraiment belle. Elle est vraiment jolie. Waouh! Alors, regardez l'intérieur. Je vais mettre les bagues, les bijoux, les bracelets, les colliers, tout ce qu'on veut. Franchement, magnifique. Ah, pour un petit cadeau de Noël sympa. En plus, on peut la remplir. Oh, elle est vraiment belle. Alors, je regarde parce que je sais que vous allez me poser the question. Non, bon. Ça ne s'en va pas. Par contre, vous pouvez enlever, parce qu'on me demande souvent, vous pouvez enlever les petites choses comme ça si vous souhaitez faire autrement ou carrément les enlever. Voilà, c'est amovible. Ça, c'est pareil. Hop, si vous voulez enlever ça et mettre autre chose à la place, ranger vos petites affaires de scrap ou je ne sais quoi. Voilà, mais franchement. Alors, je vais en commander d'autres parce que je voulais vraiment en offrir une, en faire une pour Irina, mais voilà, ça me fait idée de superbes cadeaux que je pourrais offrir, voilà, à mes petites nièces à Noël ou voilà, waouh, ouais, super, ouais, je la trouve super jolie. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Franchement, elle est top. Hein. Donc, on a le petit kit tout simple, la petite colle qui doit se cacher, ben là, les petits sachets zippés. Et puis, je vais vous montrer les diamants. Spéciaux, évidemment. Évidemment, c'est coloré, donc il y a plein, plein de couleurs. Hein. Alors, il y a ceci, des petites boules rondes violettes. Vraiment, on est dans les diamants normaux avec des jolies couleurs. Waouh, superbe. Ah, je regrette pas. Franchement, la qualité, elle est top. Hein. Une belle boîte à bijoux. Hein. C'est vrai que j'ai l'habitude, vous savez, de faire les. Ça, c'est des nouveautés. Hein. Hop. Les boîtes noires avec la chouette, avec. Il y avait la chouette avec des papillons. Il y a des boîtes aussi de Noël. Ben, alors, celle-ci. Elles sont vraiment belles. Hein. Voilà. Donc, je vous mettrai le lien de la jolie boîte de rangement. Superbe. Superbe. Voilà. Ah, je suis trop, trop contente. Franchement. Voilà. J'espère que cette petite vidéo unboxing vous aura plu. Alors, ne coupez pas. Moi, j'ai une petite surprise pour vous. Si vous êtes resté jusque-là et que l'unboxing vous a intéressé, vous savez que j'ai franchi la barre des 3000 abonnés. Et ben, je voulais vous offrir la toile du bonhomme de neige. Je vous la ressors. J'ai eu du mal à la ranger, mais je vous la ressors. Je vous avais dit que, rappelez-vous-en, voilà, les. Ah non, je crois qu'il y en avait 5. Il y en a 4. Voilà, les 4 bonhommes de neige. La grande toile en 30 sur 50. Alors, c'est pas compliqué. J'ai envie de l'offrir à une petite abonnée qui passera par là et qui aura regardé la vidéo. Et voilà. Ça me fait plaisir de vous l'offrir grâce à ce partenariat Craft Art Club. Puisque cette toile, c'est une toile coup de cœur et je sais que je vais la ravoir pour moi. En plus, elle me permettra de faire le défi de Noël avec moi, le truc d'hiver. Alors, pour gagner cette toile que je vous offre, voilà, vous n'avez pas à la payer, je vous l'offre. Il suffit d'être abonné à ma chaîne, de liker la vidéo et de mettre en commentaire. Alors, ne mettez pas super unboxing, patati patata, mettez bonhomme de neige. Voilà.
écrivez-le comme vous voulez, mettez bonhomme de neige. Je prendrai mon logiciel qui viendra trier tous les commentaires et je suis désolée, mais s'il n'y a pas le mot bonhomme de neige dans le commentaire, vous, même si le logiciel tire au sort votre commentaire, si je n'ai pas le mot bonhomme de neige, ça ne marchera pas. Je suis désolée, je reprendrai le logiciel et je retirerai une autre personne au sort. Voilà, donc pour les 3000 abonnés, je vais faire comme ça, lors des unboxings, à la fin des unboxings ou au mieux, je ne sais pas. J'ai vraiment envie de récompenser mes abonnés comme ça et je pense que cette méthode est très bien. Voilà. Donc, n'oubliez pas dans votre commentaire, marquez ce que vous voulez, mais marquez bonhomme de neige parce que le logiciel va aller fouiner les commentaires. S'il y a, je sais pas, 50 commentaires, si je demande d'en choisir un, puisqu'il y a un DP à gagner, il va choisir le commentaire, je ne sais pas, hein, de Christelle. Si elle me marque coucou Angélique, super unboxing, s'il n'y a pas le mot bonhomme de neige, je suis désolée, le logiciel rechoisira un autre commentaire et fera gagner une autre personne. Voilà. Donc, juste à vous rappeler bonhomme de neige. Voilà, j'espère que cette petite surprise vous fera plaisir. En tout cas, moi, c'est avec plaisir que je vous enverrai cette toile. Voilà, voilà, il faut me contacter hein, quand je ferai le tirage au sort. Je laisse la vidéo quelques temps. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera publiée. Peut-être la semaine prochaine. Je laisserai quand même la vidéo 2-3 jours. Je verrai. Voilà. Peu importe. Quand vous voyez la vidéo, eh ben, vous likez, vous vérifiez bien que vous êtes abonné à la chaîne et vous commentez avec le mot bonhomme de neige et je vous marquerai, hein, je ferai une vidéo spéciale tirage au sort de la toile du bonhomme de neige et voilà, si c'est vous la gagnante, je vous remercie de me contacter pour m'éviter de courir après la gagnante à chercher si j'ai les coordonnées, si je la connais, si c'est une nouvelle abonnée, si voilà, donc bah, ça facilitera le travail de tout le monde. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis pensez bonhomme de neige. Allez, je vous embrasse. Bye bye.